gros bonjour et bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est dimanche 15 janvier 2022. C'est Canal Pola qui entre la caillou avec une nouvelle vidéo. Avant même nous entrer plus loin, avant même nous battre tout détail, nous avons profité le temps pour nous dire merci à tout le temps amis nous. Tout nouveau abonné et ancien abonné nous. Nous disons merci à tout le monde en général et nous demandons d'inviter une famille, des amis, des compatriotes, des proches et quel que soit le monde lié à, eh bien, invitez vous venez abonner avec tvlakayhaiti.com. Nous avons besoin d'arriver 100 000 abonnés et nous comptons sur le support de chaque citoyen et citoyenne qui est même habitué à visiter le canal ça et qui est pas jamais abonné mais qui souvent regarde les vidéos tvlakayhaiti. Et bien, après tout, guys, c'est moyen pour supporter nous, abonner avec nous et de nous partager les vidéos surtout dans un groupe WhatsApp ou bien Facebook. Là, on fait ça, on fait ticket nous, bat fort. Gros nouvelle nous portez pour vous, mesdames et messieurs. Eh bien, gros dimanche 15 janvier, la police balé ouze environ 4 bandits mortellement blessés. Deris Jocelyn, Joseph Jimmy, Noël Richie, Diogiste Victor. Eh bien, 4 individus sa yo qui tapay en pile problème dans le pays. Eh bien, la police qui yo même mortellement blessé 4 individus sa yo pour qu'on a parlé là. Nous gagnons la paix en bas menek sa yo parce que yo pas vivant encore la police retire mauvais grain sa yo. Nan mi tan nous, mesdames et messieurs, nous pral invite ou en gen detay. Gagnez tout, prophète Berger, nous te bay information sa hier soir qui li même en bas code et la police ta croisé prophète là qui li même ap sorti nan village de Dieu Kay Izo Hélène connaît. Et elle était ouais tout vidéo ensemble avec Tilapli pour faire attaquer gros âme dans mel. Nous allons inviter ouais photo ça gros âme était dans mes prophètes là côté elle était ensemble avec Tilapli. Et bien mesdames et messieurs, la police qui a même partagé petit bout de vidéo ça côté prophète Berger. Côté prophète là était ensemble avec chef gang Tilapli, nous connaît cap diriger Grand Ravine. Et puis après une déclaration que prophète Berger t'a fait côté elle t'a fait connait si commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, pas mettre pasteur Amel Lafleur en bas-corde, lui-même l'a arrêté. Commissaire Jacques Lafontaine, et bien déclaration ça aujourd'hui à la qui baille arrestation et prophète Berger avec tout yo croisel ap sorti dans village de Dieu. Prophète là tan kidnapping et se reproche ça yo que autorité au fait prophète là yo fait connait monsieur participer dans un pile ka kidnapping qui fait dans région métropolitaine nan. Mesdames et messieurs, nous pral inviter ou gain détail dossier sénateur Yuri La Tortue. Pourquoi on a parlé là sanction yo red nan. Et ancien sénateur tout Hervé Foucan avec Ronnie Celestin, et bien nèg sa ou là nan gros problème parce que DEA pas longtemps entré vin maré et Ronnie Celestin Yuri La Tortue gagne tout et ancien député d'Elma. Nous voulons parler de Karibodo, tout nèg sa ou gen sanction qui pesait 10 sous do yo. Nous pral inviter ou en gen détail rete connecté sous vidéo. Bon dimanche tout le monde, n'ap tourner pour yon prochaine vidéo. Denma avec frère Tilapli et grand matin là depuis grand matin nous dans Gravine n'a pas pile respect puis love avec ti monsieur là amène avec Tilapli dans Gravine amène m'a connait qui ça qui message Tilapli lui-même l'a porté pour la jeunesse pour tout le monde non m'envoie message m'a envoyé pour tout le monde là juste m'a envoyé un message mais pour tout le monde ouais on prend ça qui passe dans pays amène y a ba nous pour tio c'est pas notre table ta vlil ça veut dire l'état pays nous qui nous dans la situation janvier là juste nous même n'a gourmet pour nous comment on a un changement à entendre de l'autre jeune. Même pas juste dire qui avance, juste tout le monde ma prophète là, en point de vue. Ok, à mes salles, prophète Berger, je suis avec Tilapli dans Gravine. Que bon Dieu bénisse. Ok. Et actualité au niveau du pays d'Haïti, eh bien, nous allons aller directement pour nous que, et nous allons aller Jimmy directement au niveau du département et la Tibonite, côté que, et nous connaissons gagné et la police dans la zone Liancourt, et qui ont même qui fait s'entarrêler et opération. Eh bien, opération, yo, côté que, et nous connaissons que bandits et Sarien, yo, qui ont même, yo, censé pas opérer. Eh bien, la police arrivée, mettait la patte en bas, mais, et quelqu'un a gros et bandit, ça, yo, qui est censé, après, si, mais, l'intérêt, eh bien, abouti, direction départementale, la police, dans le département, la Tibonite, eh bien, il y a 3 présumés bandits qui arrêté après incursion, eh bien, et gang griffe dans la zone Liancourt. Eh bien, abouti, au niveau de la zone Liancourt, et nous songeons que nous t'ai parlé de bandits qui t'a pas tiré, bandits,
yo été kebe moun en otage, yo fait en pile et soirée dans jeudi pour vendredi, yo tiré en pile des autres, mais la police dit même eh bien yo arrivé arrêté Gustave Aol, monsieur Relé et boss Joël et puis arrêté Jacques Fekir que n'a gardé là et bien grand pile monde qui connaît monsieur Gontino et les lumières rouges. Et bien Jacques Fekir ça c'est un monde qui était fait partie du groupe et base Baléosé dans Saint-Marc. Nous rappelons et Baléosé et dans Saint-Marc et bien gens que n'a gardé monsieur là qui vient bab blanche li et côté que n'a suivi monsieur là et bien c'est lui qui est les Fekir et bien monsieur il était un monde qui était et dans base Baléosé Lavalas côté que monsieur a été tué en pile monde au niveau de Saint-Marc et monsieur Gentil en tout que les lumières rouges et bien yo interpellé yo dans Liancourt et bien vendredi qui 13 janvier 2023 et bien pendant opération conjointe qui menée par Udmo et Saint-Marc ensemble avec monsieur Nagonaïve et mes présumés bandits ça yo qui ont même yo identifié par service départemental de renseignement et mais comme étant membre du réseau et de gang ça vient communément appelé Grand Rif mais par ailleurs gagné et Fleurival Mendy et bien à la suite et bien monsieur lui-même tout il est membre gang Grande Saline et yo était arrivé prendre c'est la police dans Saint-Marc qui arrivé prendre et parce que toute zone gagné bandi et bien monsieur Sayo yo dans garde à vue et bien au niveau du commissariat Saint-Marc il y a pour prendre et question autorité la police service départemental renseignement il rapporte que dernier événement qui sont fait dans la cour Liancourt il constitue et une théorie politique visée à perturber l'ordre public et bien sous couvert gang armé et puis une faible action criminelle orchestrée par les gangs eux-mêmes et bien la boucle disposition déjà prend et bien pour capable rassembler évidence pour capable constituer un dossier solide et bien pour capable contraindre auteur intellectuel et puis monde qui a exécuté pour répondre à quelqu'un même au fait et bien information aussi au niveau du service départemental communication dans la Tibonite côté que yo arrêté et toi monsieur Sao que n'a gardé là gain deux yo même c'est base Grand Rif et au niveau de titre de la Tibonite Grand Rif base ça vient et puis tout et gain on c'est au niveau de bandi et qui est dans zone et ça que n'ta les zones et Grande Saline, elle dit que Grande Saline, qui lui-même qui est gay bandi tout, eh bien, n'a pas que interpellation vendredi 13 janvier 2023, dans la cour commune de département de la Tibonite, eh bien, deux présumés bandits et base Grand Rif, et qui siégeait dans sa vient à petit niveau de la Tibonite, eh bien, selon la police, arrestation faite, suite ensemble avec incursion que, il a fait dans un homme. Et bien, d'abord que la police, qui lui-même qui réussit, coup de filet sa suite, transformée en opération qui est menée conjointement à Liancourt par agent unité départementale de maintien de l'ordre, Udmo, Saint-Marc, et ceux, et des Gonaïves, et bien, présumés, et Bondissaio, qui identifiés par service départemental renseignement, et bien, comme eux-mêmes, ils fait partie du groupe Gang Savien, et que tout le monde connaît qui relaie, et Gang Rif, et bien, et d'abord que, et au niveau de Gang Rif, nous connaît que, et gagné chef gang, et base ça vient qui est les hauts de Malvicin nous connaît que n'exactement fait la pluie de beau temps et bien il est arrivé mourir et bien jodi a qui c'est 14 là et il fait 2 ans depuis que gagne un gros directeur du Batfontal qui est Jacques Adet qui était tiré monsieur et bien monsieur était mourir et en plus monde pense que tu as gagné ça dans la paix et bien au niveau de base et bien base c'est signal qui ont bandit que les Luxon et qui lui-même et Luxon et c'est lui-même qui censé à bail et problème au niveau de et ça vient et bien c'est lui-même qui s'en est responsable. N'a pas quitté dossier ça toujours n'a prêté même quatre dossiers bandits qu'on y a nous pour aller dans cadre et cité indépendance la Gonaïve et bien n'a pas gagné en gros opération qui était menée et bien hier soir et bien au niveau de et la police ensemble avec le commissaire gouvernement monsieur Agazis c'est des fonctions donc et monsieur Agazis qui lui-même qui reprend compte et cramponné et bien il commence à faire un paquet de bon gros travail là au niveau de Gonaïve et bien gagné ministre Dossé qui lui-même qui était metté le campé et bien il était pour l'autre monsieur qui était et l'autre et commissaire gouvernement qui s'est écrasé tout peur elle déconne fermer c'est qu'on a monsieur commencé reprendre et bien a bouclé opération policière et qui était venu dans fief et gang qui est les bois calibre dans Gonaïve et bien une importante opération policière qui était menée dans la nuit jeudi 13 pour l'ouvrir vendredi 14 janvier 2023 dans Troussable fief gang bois calé gen 8 membres dans gang ça qui neutralisé et côté que gen 4 qui mortellement blessé ça dit que monsieur Sayo
et yo et blessé yo mouri et bien dans cadre opération conjointe et bien brigade intervention et commissariat des Gonaïves et puis Udmo et dans la Tibonite et bien n'a bloqué gain 4 yo arrivé et joindre arrestation Jean que et non et connéni et bien n'a bloqué et monsieur Sayo malgré que il y a touyé yo et bien ça empêche que et bandi yo même yo censé a fait bandi yo sans problème non a pas quitté n'a toujours été le même cadre donc ces bandi qui cela et bien nous connaît que qui a fait la une de l'actualité et bien Jean que et noté joli et bien dans cadre et bien, opération la police dans ville Gonaïves qui menait dans la nuit vendredi et jeudi 13 pour le vendredi 14 et bien n'a bloqué et yo arrivé mettez en barcode et bien yo démantelé santaille un groupe gang qui portait nom base Bois Calais dans quartier Troussable commune Gonaïves et bien pendant opération ça agent l'audio rivé mettez en barcode quatre prisonniers bandits et tout saisi plusieurs matériels qui étaient en possession bandits et mais faut nous donc dans cadre opération ça gain quatre nan bandits qui arrivé perdu la vie et bien nan boucanté et coup de balle avec la police et bien et consacré bandits même yo arrivé et mouri et bien Jean que il a regardé lui monsieur était gain en jeep que et Jimmy parce que ou gain image ou regardé pour monsieur était gain machine yo et bien c'est ça yo faut que nous fait population garder aussi gain famille ratio et bien pour même yo capable voir comment que et bandi yo même yo censé ta bail en pile problème et bien et Jean que nous a montre là n'a regardé pour nous pistolet monsieur même yo gagné là a dit que les yo pas cinq gros problème yo gain tout à fait yo t'a regardé pour nous cinq grain cartouche et puis avec les pistolet et bien n'a donc gain quatre qui arrivé mourir et bien non et monsieur ça yo on regarde pour nous visage monsieur au pays a fini mais on regarde pour mon autre personnage et bon c'est au même tout qui fait partie du groupe gang qui gagne au niveau de cité indépendance à Gonaïves et bien je dis à mais ça que pays a lui-même il censé la guerre n'a pas tourné n'a pas dossier ça nous parler directement au niveau de un gros coup de filet que la police même ni fait jodia et bien au niveau de capitale là et bien connaît que prophète Berger et bien monsieur lui-même il était en pile problème et nous connaît que et avant d'aller parler de arrestation et bien on a regardé vidéo et puis que monsieur lui-même était ensemble avec et une bandit qui l'a pris côté que monsieur t'a parlé avec qui l'a pris et bien depuis les ça grand tout le monde qui dit que et bien il était supposé comment chercher monsieur pour arrêter mais monsieur lui-même était et dans marron était caché et bien la police lui-même dit pas capable venir et bien je dis à son groupe de filet côté que yo mettel en bas code et bien et Jean que et nous dit lui et bien prophète BG et bien monsieur lui-même licencié en bas code eh bien, nous, et pour aller pour nous que, au niveau de direction générale, coordination de presse et des relations publiques, DDO1, et côté que, interpellation de Berger Moderne, ainsi connu, eh bien, prophète Berger Moderne, ainsi connu, a été interpellé par la police et nationale d'Haïti au niveau de la juridiction de Port-au-Prince, eh bien, journée, et 14 janvier 2023, monsieur s'est activement établi, cherché, mais par force de l'audio, eh bien, monsieur là, et yo connaît, et bien, sur les réseaux sociaux, comme proche, gang, région métropolitaine, et puis, monsieur, c'est Allié Tilapi, chef gang notoire de Granville, pour ce qui est implication, dans plusieurs actes de kidnapping, en pile kidnapping qui a fait, et bien, prophète Berger, lui-même, il a donné. On a regardé un petit extrait, côté que monsieur, il était avec Zamné, côté que lui-même, tout le temps, parlé avec chef gang, qui s'est Allié Tilapi. On a regardé. Modernement avec Frère Tilapi. Et comme matin là, depuis comme matin nous dans Gravine, nous avons pris le respect et l'offre avec ce monsieur là. Amen avec ce l'appli dans Gravine. Amen, je connais qui me sert ce l'appli lui-même la portée pour la jeunesse pour tout le monde. Non, je vois un message pour tout le monde. Juste, je vois un message pour tout le monde. On prend ce qui a passé dans le pays. Amen, il y a un bon nouveau tuyau. Ce n'est pas notre table. Ça veut dire que l'État pays nous prend dans la situation. J'en ai là. Juste, nous avons un bon moment pour nous recommander un changement à l'entente de l'autre jeune. Même pas juste dire qui avance, juste tout le monde ma prophète là en point de tout. Ok, un message pour prophète Berger, nous avons la pile dans la gravine. Que bon Dieu bénisse. Ok. Voilà, nous avons regardé la vidéo là. Bon, c'est sûr et certain. Mais c'est quand même très grave, et Pradel, accusation ça, parce que là, non seulement nous avons vidéo, mais vidéo est sous site la police également. N'importe quel monde qui t'a appelé à l'OE, la police déjà mettait sous page officielle, c'est-à-dire que. Et justement attachement et pour faux prophète Berger, hein, par Jean nous dit nous pas dit prophète faux prophète Berger avec Tilapli. Bon
Et encore là, et je pense que c'est avocat monsieur qui va laisser prouver et démentir est-ce que monsieur c'était dans affaire kidnapping ou pas, mais n'empêche, et c'est quand même sérieux accusation, mesdames, messieurs, et dans le dossier ça. Et, oui, Pradel. Mais là, là dans la vidéo, ça n'a pas, mais son ancien vidéo qu'il a fait également, et son ancien vidéo. Depuis sous président Jovenel Moïse, ou connaît ça, ou te, bah, yo te tellement facile pour yo, yo te kon fait ça ou vle, eh bien, c'est ça qui a passé là. Et, c'était même pas explication, il était même 10 ans, ça, lui même, comme bluffé, comme menteur, comme tout reste faux prophète, yo, il te dit que c'est prié. C'est beau. Monsieur dit c'est prié, il devine prier avec Tilabli, oui. Pardon. Monsieur fait connaître, c'est prié, il devine prier avec, et moun qui dans le village de Dieu, c'est raison ça, il devine demander la paix. Vous comprenez? Mais en tout cas, que avocat a laissé prouver ou démentir ça ou dire. Et mais en tout cas, c'est sérieux. C'est sérieux, oui. Arrestation ça. Et dans le cadre faux prophète belge, frère pas. Oui, là, donc c'est une qui est un problème, côté que non et qu'on est que et monsieur Liam était caché malgré que tu as un mandat que tu as fait pour te arrêter. Monsieur était caché. Juste une seconde, mesdames, messieurs, là. Ok, nous pas un problème. Que vous arrêtez faux prophète belge, que vous arrêtez l'autre monde, nous n'avons pas de problème. Mais quand y a là, nous toujours dit faut que la justice n'a pas de force d'écouter. Pendant que monsieur vous voulez besoin de montrer que vous avez une volonté d'arrêter le monde, eh bien, en nous même nous avons des policiers, 72 heures pour vous arrêter Badjo. Faut que vous arrêtez une série de monde clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, mesdames et messieurs. Que une série de monde nous connaît qui a un mandat derrière vous. Jusqu'à maintenant, il a promené ou t'a dit c'est en vacances. Yo. Si la police a mis travail vraiment comme ça, si vraiment monsieur ça a une volonté tout bon, pour commencer crédit beaucoup de par nous, il y a série de monde clé, série de monde qui impliqué dans la mort président Jovenel Moïse, pense qu'il t'a dû arrêter. Prophète Berger, ça son petit mouton lié, ça son ça pour rien là mesdames messieurs. Ça c'est du cinéma pour moi même dire pour vous même, OK? Et puis gros danger gain dans pays là, c'est pas prophète Berger. Bien que c'est pas défendre n'a défendre non, mais par rapport à moun qui impliqué directement dans la mort président Jovenel Moïse, c'est des moun qui t'a menacé président. Ah bon, nous connaissons, mesdames, messieurs, nous connaissons. Mais en façon pour me dire, il y a l'autre monde qui est beaucoup plus important, mais n'empêche, des bons joignons, c'est pour arrêter tout sans exception pour la justice, pas de force de côté. À ce moment-là, ça fait nous plaisir à tout cœur nous pour nous dire bravo commissaire, bravo la police. Mais là, c'est pas ça nous qui avons dessiné là. Mais n'empêche, c'est un début quand même. En règle positif. Et oui, frère Pam. Oui, on n'a pas avancé dans le même cas d'information. Eh bien, nous connaissons que gagné un puissant chef gang, eh bien, groupe 400 Marozo qui est tué par la police Skinny, ainsi connu, c'est Tino Sarah, que chef gang qui a opéré dans trois débouchés à lui-même, qui est mortellement blessé, eh bien, par la police dans l'après-midi, samedi 14 janvier 2023. Eh bien, cela. Et on source qu'on fait confiance. Eh bien, c'est Bandeille, et puis, était dans la localité, et puis, quand, dans l'un de, et parquet, quoi, des bouquets, eh bien, et monsieur là, c'est bien, qui t'a dirigé, avec acolytio, eh bien, donc, Skinny, ainsi connu, monsieur, et la police arrivée touillée, et monsieur, c'est un backup de police, dénommé trois zombies, ont tué, puis brûlé, eh bien, Skinny, un chef de gang de la base, Captain Marozo, dirigé par l'homme au 100 jours, eh bien, c'est ça que, on témoigne lui-même, lui fait qu'on aime. Et, il y a un monde qui est déploré, priorité victime, dans la localité Piquant, en résident qui a affirmé que Skinny a été tué au marché Kalalo, eh bien, et qu'il était de la zone, sa famille réside actuellement en France. C'est ça qu'elle dit, eh bien, Nablo que Skinny, eh bien, monsieur, la famille, c'est en France que vous-même, yoyez. Eh bien, n'a pas précisé que commune Kouadebouke, eh bien, qui était depuis plusieurs années là, yon suffit pour force de l'audio, qui, eux-mêmes, y'a beaucoup de gens capables de joindre une bonne formule pour capable de mettre hors d'état de nuit, eh bien, bandits armés qui abstiment et les deuils, et puis, et l'intérêt, et au niveau de population qui besoin vivre, les besoins de la Cali, eh bien, population lui-même, les plus non cachés, côté que ces bandits qui, eux-mêmes, qui occupent zone Kouadebouke, eh bien, nous rappelons que et bandit chef 400 Marozo, monsieur à l'aise, malgré que la communauté internationale a dit, américain dit qu'il mettait millions et plus qu'avant pour monsieur, et bien monsieur lui-même lit toujours et dans la rue. La priorité dans le même cas dossier insécurité, il y a un citoyen dominicain qui est arrêté à l'aéroport Toussaint-Louverture, et bien par la police nationale d'Haïti, et bien agent bureau de lutte contre le trafic. Des stupéfiants BLTS ont appréhendé journée vendredi 13 janvier 2023. Et bien, dans l'aéroport et tout Saint-Louverture, le nommé
Ayala Lopez, Ronald Domingo, et bien d'après information qui est rapportée par institution policière là, et bien monsieur lui-même est recherché lui mais par la justice dominicaine pour implication suspecte et bien non et l'amour Anthony et Garcia. Et bien force de l'audio qui yo même yo arrêté Ayala Lopez Ronald et bien Domingo alors que monsieur lui-même était en partenance pour lui-même ouais s'il était capable et quitter pour aller au Mexique en possession de passeport panaméen a indiqué la source policière monsieur qui était changé et passeport lui qui était changé nationalité et bien qu'on a ces panaméens que lui et bien n'a la police lui-même yo t'a vu monsieur pour arrêter et bien t'a gain au mandat d'amener international et qui était fait à l'encontre du présumé assassin et lui-même qui doit répondre à cette question enquêteur BCN Interpol et bien DCPJO avant que eux-mêmes yo extradé monsieur vers la République dominicaine et bien c'est pas seulement haïtien non même dominicain là les que nèg là pour action et bien il est en joindre passeport et bien passeport pour lui-même et il est capable quitter pays mes amis ça sont gros causé nous pensons que la police ils font gros coup de filet là puisque nous connaissons que au niveau de l'Interpol et bien eux même sont censés à travailler sérieusement. N'a quitté dossier insécurité à nous à avancer dans le même cadre information censée à pas dominer actualité à et bien nous et à pas avancer et bien pour nous que gagner